Saint-Michel intérieur, je ne sais pas bien là, nous exactement, devant le ministère intérieur, là, et là on a pas vu que ça, c'est l'installation du ministre intérieur là, qui se fait là. Et nous avons constaté dans le côté garçon à terre, et dans le moment là, on a fait un peu de vivre comment ça a été, dans le moment qu'il n'a pas vu là. Voilà. Et on a regardé, et là, nous avons connu si Jean s'était fait intérieur devant. Et l'hôpital général là, est-ce que c'est le cas plutôt comme un moment là, les zones de l'Ocadrié et nous en pile instance là, en pile disposition de sécurité pour le moment là, et pour capable permettre que l'installation ça fait lui-même. Et bien nous, dans l'espace là, nous, est-ce que le PM là n'est pas connu? Mais normalement, on a parlé là avec vous là et on a capable de remarquer la prise de disposition de sécurité franc et le personnel de sécurité là et pour capable sécuriser le ministère intérieur là pour que nous autres fassions visite officielle. Et c'est pour la première fois depuis l'attaque, nous suivons ensemble le ministère intérieur et bien visité par des officiels de la police, nous avons dit. À part de la police, de l'officiel de l'État, et les amis internes. J'en ai regardé là, même si c'est une zone blanche, et bien, nous sommes capables de constater ces premières visites officielles. Les gens que nous disons déjà, et bien, depuis après l'attaque, M. Vivant Samuel, et bien, le ministère ça a visité et bien, par officiel de l'État haïtien, police et l'État, et un paquet d'entités là. Les amis intellectuels, j'en ai regardé là, nous, dans l'espace là, pour nous permettre de vivre comment ça y est, les amis intellectuels. Nous ne connaissons pas ça exactement, mais nous avons visité des visites officielles, j'en ai constaté là, et voilà, et dans l'espace là, et le ministère intérieur, nous connaissons qui est là, qui est responsable de tout ce territoire du pays d'Haïti. Et bien, c'est un plus beau ministère qui gagne, et bien, dans le pays, et bien, je dis à occupé et bien je veux dire là qui officiellement visité par monsieur et voilà et vous pouvez pagayer une possibilité et il faut que nous sommes marchés pressé ça fait voilà son marché pressé ça fait là non là. C'est officiel de la société là, dans le ministère intérieur. C'est une installation du ministère intérieur qui se fait là, au moment là. Et nous ne connaissons pas l'espace là, mais nous nous permettons de voir comment officiellement appliquer l'espace là, dans le moment là, dans le ministère intérieur. Nous nous permettons de voir comment officiellement appliquer l'espace là. Nos amis intervenus, c'est installation ministre intérieur là qui se fait là, au moment là, officiellement, nous quitter l'espace là. Nos amis intervenus, là, n'a pas permis de vivre comment ça arrive toujours. C'est nous qui quitter l'espace là. Mais nous avons dit que par rapport avec ça qui se traite là, et est-ce que
qui s'accroche, nous va connaître, mais nous avons plus de dispositifs de sécurité. C'est pour la première fois et nous avons dit qu'il y a une visite officielle. Alors, c'est l'installation PM. C'est l'installation, alors, c'est le ministre et intérieur. Là, et... D'abord, imaginez que Jean-Éwal Morose a une administration, négligemment directeur administratif là, parce qu'on n'a rien en administration. Son n'est qu'à marcher pour éclairer toute la journée, on ne sait pas. Donc, vous pouvez imaginer, moi-même, je travaille du côté de Petit Poivre. Tandis que une lettre de révocation vient de moi, comme n'est qui fait abandon Saint-Marc. C'est juste pour montrer que même mal là, les nègres appellent, ils font mal. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes nous venons là. Ce n'est pas parce que nous avons quoi que ce soit de personnel avec Jean-Éwal Morose. Mais tout simplement, étant donné que EDEA c'est un patrimoine national qui est là pour desservir toute population, nous sommes capables de craser et de disparaître dans cette situation. Nous encourageons à demain, nous venons dire Gary Conille en tant que premier ministre pays, s'il n'y a pas de corruption, dégagez et cartel de Jean-Éwal Morose. Nous venons dire également, et architecte Leslie Voltaire, qui c'est un conseiller présidentiel qui fait visite dans l'EDH. S'il n'y a pas de corruption, décollez derrière Morose. Parce que Morose, son chaque chapeau que lié, quel que soit contre moi, la salle. Et ce n'est pas la première fois que Morose entre en accompagnant, il vient faire des situations malhonnêtes. Il est entré en première fois. Il est entré en deuxième fois, nous perdons. Et central nous n'en va pas parce que le devant nous. Donc je ne le dis pas. Ce n'est pas un nègre comme si nous avions tout là. Monsieur, son client ULCC que lié. Ce n'est pas le premier dossier. Jean-Éwal Morose qui est dans l'ULCC. Mais cette fois-ci, nous dit que même si Jean-Éwal Morose a la fièvre, il couché dans la cabane de la Cali, il mourit. Mais nous-mêmes, les employés de l'EDH, nous poursuivons le cadavre jusqu'à ce que bagarre la justice pour que Jean-Éwal Morose réponde à la question de la justice des actes qu'il fait en dedans compagnie. Merci beaucoup. Bravo, 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 bravo. Fini
dans la boîte là, lui ramasser tout alcool net. Et tout le monde, c'est des gens qui ont noyé dans la corruption. Nous, en tant qu'employés NDH, le premier bagage nous a dit, directeur Jean-Yves Moïse, nous a dit, directeur, quelqu'un soit le monde qui vient là aujourd'hui, qui n'a pas aider nous et tirer boîte là dans la situation liée, il peut aller. Et aujourd'hui, nous déposons plainte depuis août 2022 dans l'ILCC par rapport à gabegie administrative, corruption qui a fait dans la boîte là. Nous avons gagné 4 millions de dollars pour projet réseau provincial et comme ça, nous sommes là pour réhabiliter tout réseau provincial. Jean-Yves Moïse est venu, il a boulé 4 millions de dollars américains. Ça n'est pas fait. Nous avons presque 180 millions de dollars et matériel qui était à terre. Tout n'a pas gagné. Et nous avons dit, chantier qui fait, tout le bagage a disparu. Ça veut dire que nous avons levé le bagage et le mettre dans le bail privé. Je dis à nous-mêmes, nous avons envoyé un document par l'ILCC qui a 34 cas de corruption qui ont fait en deux boîtes là. Côté nous avons écrasé le magasin, côté nous avons écrasé toute institution, nous avons envoyé le bail ILCC, nous avons des plaintes, nous prenons. Nous ne prenons pas de nous à déboire en tant qu'employé, nous dénonçons tout le bagage. L'ILCC, nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est parce que nous avons une association avec Jean-Yves Moïse? Nous ne pouvons pas faire cas des dossiers EDH. Nous avons tous les dossiers. Nous avons un dossier SNDRS qui a 5 millions de gouttes là-dedans. Et nous avons arrêté les gens, nous avons BMPAD. Tandis que EDH a 4 millions de dollars américains qui disparaissent. Et il y a près de 180 millions de dollars matériels qui disparaissent. Nous, ILCC, bien qu'on ait des gens en tant que cadre de boîte là qui vient, qui fait exposer, et il y a un document qui m'en amène, nous voyons la regarder. Eh bien, pas jamais de suivi qui fait ce dossier de l'IHA. Est-ce que c'est parce qu'il y a un monnaie? Nous ne connaissons pas. Eh bien, pas directeur ILCC a dit nous, est-ce que Moïse, comme il a dit Moïse, c'est mon compère? Besoin qu'on ait dossier EDH qui côté le Pavel. Merci beaucoup. Donc, nous venons demander pour l'ILCC enquêter sur ce qui a passé dans EDH. Non, dossier enquête là, résultat enquête EDH là. Parce que l'étendue de tout le monde honnête. L'étendue de l'étendue de dans le bureau, il n'y a pas jamais fait cas de dossier ça. Nous besoin résultat EDH là. Depuis qu'il est au distance de commencer. Août 2022, nous portons plainte pour eux. Depuis août 2022, je dis un pas jamais rien fait sur le dossier EDH. Est-ce qu'il y a quitté Moïse aller comme ça en tant que un monde qui était passé droite dans cette boîte là? Eh bien nous-mêmes nous dit même les Moïse pas dans cette boîte là n'a porté plainte et n'a poursuivi devant la justice pour mal lui faire boîte là. C'est qui est? Moi c'est Stéphane Patrick, un cadre de boîte là. Je salue la presse en général. Moi c'est coordonnateur Cyril, secteur des employés révoqué et large. Je dis à nous venir de l'État, nous venir de l'ILCC, nous bouquer. Parce que charge nous gagne sous nous en tant que CRL. Pour quand cet emploi est révoqué, nous gagnons des 2400 de jour en jour. Je dis à nous pas de capacité pour nous recevoir encore. Ça pour comprendre dans le pays, à chaque fois révoqué nous, son famille, son équipe. Nous même dans CRL, des fois, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des jeunes garçons comme ça. Deux, quatre. Et pas révoqué normalement, non, parce qu'il a déclaré que la corruption est dans la boîte, le directeur général choisit pour faire toute révocation. Okay? Il fait des annonces avec des autres employés pour ne pas venir dans le site, pour ne pas parler, pour le marquer révoqué. Je dis à nous-mêmes dans le CRL, nous venons dire ILCC. Et tout le monde qui est concerné dans le pays, nous ne sommes pas capables. Dans l'état pays, ça est là, nous ne sommes pas capables de gens qui le déplacer toujours. Il doit révoquer des jeunes garçons, des gens consacrés dans le job, parce qu'il y a parlé de corruption. Les corruptions permettent plusieurs autres mondes pas qu'à fonctionner, pas qu'à travailler. Je dis à vous, nous disons mot. Vous prenez ça, moi-même qui viens, moi-même en tant que coordonnateur CRL, je vais participation dans ce type ça, parce que nous pas qu'à Québec encore. Nous ne pouvons pas qu'à emploi révoqué là, mais on est dans la rue, ils sont en battant, ils ont des problèmes. Je dis, est-ce que nous allons mettre mon salut? Mais c'est ça qui sont demandés à l'ULCC. Nous demandons à l'ULCC, pressé, faire action. Et d'ailleurs, tout nous demandons pour le gouvernement là. Action concernant qui ça?
arrêtez Moroz, révoquez Moroz dans Sénégal et voler la volée de la corruption. Et qu'il y a preuve tangible que l'employé de HOC de Palais, en tant que la presse utile, moi-même, je parle en tant que CRL qui est un secteur employé révoqué, qui est un chat déjà, parce que les gens sont révoqués, déjà, ils sont sous nous toujours. Nous avons un ministre des Affaires sociales, même là, nous avons un radio, parce qu'il n'y a pas là avec nous. Vous comprenez? Et nous avons l'argent de mettre pour nous, nous avons même qu'à venir pour nous. Aider employé révoqué à une série de subventions. Je dis à comment nous gagner. C'est la notion de la qui est révoqué là, pas qu'à vivre dans l'EDH. J'ai un promesse qui peut être au Mario. C'est ça qu'on a cité dans le petit. Ok, mais il va devoir ULC, c'est pour arrêter vous. ULC, c'est enquêté pour le compte de la justice. Oui, c'est ça, nous disons, vous voulez depuis le pôle voté plein. Il va arrêter, mais depuis le pôle voté plein. Ça va arrêter. C'est tout normal, mais c'est ILCC qui vient droit pour faire des matchs ça. Nous oui. Même directement, nous ne pouvons pas arrêter. C'est ILCC, nous votons plein, ils ont voté plein déjà. Il y a ILCC qui est pour devoir pour voter là devant la justice. Arrêtez. Alors c'est raison à ça. D'abord, frère. Merci. Bon, c'est qui est-ce? C'est Jean-Ronald Coordonnateur Sirène. Jean-Ronald Coordonnateur Sirène. C'est que des employés révoqués qui là. Et lui-même qui fait la révocation? Non. Non, c'est employé révoqué avec syndical. Okay. Moi-même, je vais voter.